Mais genre j'ai pas le droit de toucher le sol comme la terre ou l'eau. Aïe, ça me tire dessus. Non, mon avion. Ouais mais lui il descend en bas, moi j'ai pas le droit. 31 blanc, 37 blanc, il a plus de bulles. Let's go. Oh il tryhardait lui les gars. Et wesh les mecs, c'est Natux aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur la chaîne. Dans cette vidéo, comme vous aurez pu le voir au titre à la miniature, je vais tout simplement essayer de faire top 1 sans toucher le sol sur Fortnite. Comme vous le savez, il y a eu la saison 7, du coup il y a le retour des avions, des ballons, il y a les failles, le grappin, le silex. Il y a vraiment plein de trucs sur la map qui font que je vais pouvoir survivre sans toucher le sol. J'ai aussi l'île de Loot Lake où je peux aller dessus vu que je touche pas le sol. Et j'ai mes constructions pour m'aider. Alors vous allez voir les gars, j'ai fait vraiment des super bonnes games pour un mec qui touche pas le sol. J'ai réussi à faire quelques kills et à survivre super longtemps. Dans tous les cas les gars, il y aura un mot caché dans la vidéo. Tous ceux qui trouve les gars, mettez-le en commentaire. Merci à vous les gars, vous êtes les boss. Et voilà, sur ce les gars, je vous laisse avec la vidéo. C'était Natux et bonne vidéo les mecs. Ok du coup les mecs, on vient d'arriver dans le bus. Donc là ça va être le moment fatidique, le moment de sauter. Je vais tout simplement vous expliquer ma stratégie. Alors comme vous pouvez le voir, c'est le chapitre 1 saison 7. Donc j'ai pas encore visité la ville juste ici. Et il me semble qu'il y a des avions. Donc on va essayer de trouver une petite stratégie avec ça les gars. Je vais vous expliquer ma stratégie pour essayer de faire top 1 sans toucher le sol. Alors les constructions les gars, je pense que ça peut compter. Parce que sinon je vais jamais pouvoir prendre des armes si j'ai pas de construction. En gros le concept les gars, j'ai pas le droit de toucher le sol, donc la terre. En mode si j'atterris sur le bâtiment de Tilted juste ici, ça compte pas parce que je suis sur le bâtiment, je suis pas sur le sol. Mais genre j'ai pas le droit de toucher le sol comme la terre ou l'eau. On va essayer de se loot un petit peu. Faut que je trouve un grappin, comme ça je monte dans l'avion. Et une fois que je suis dans l'avion les gars, je vais pouvoir tempo un petit peu en avion. Faut juste que je trouve un grappin parce que là si j'atterris et que j'ai pas de grappin, je pourrais jamais rejoindre les avions. Hop, j'atterris. Donc là heureusement je suis dans le bâtiment. On a un petit coffre ici. Oh les ballons les gars, c'est ce qu'il me fallait aussi. Ils ont ajouté les ballons les gars. Et du coup bah si je prends des ballons et que personne me casse les ballons, bah je touche pas le sol. Un silex c'est parfait les gars. C'est-à-dire je peux rota comme ça sans toucher le sol. C'est parfait les gars. Une faille. Oh là là les gars, j'ai tout pour faire le défi. Deux failles, wesh. Les gars, je crois que je vais carrément faire un top 1 sans toucher le sol, mais pour de vrai là. Oh là là les gars, je suis trop bien. 100% je vais faire top 1 les gars. Faut que je fasse attention si je casse un sol, genre celui d'en dessous là, ça se trouve y a rien dessous et du coup bah je meurs. Je vais me prendre le redéploiement du planeur, bah c'est-à-dire je pourrais redéployer mon planeur si j'ai pas envie de mourir. Allez, je me prends un deuxième ballon, tac 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 tac, je m'envole. Nickel, bon les gars, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est parfait, j'ai pas de grappin mais c'est pas grave parce que regardez, j'ai vraiment toutes les armes qu'il me faut. Je vais atterrir tranquillement juste ici. J'ai même un petit bush ici pour me mettre full, quelque chose de bien. Tac, j'enlève mon ballon et je monte. Nickel. Waouh 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 les gars, je sais pas comment ça marche cette merde. Ok bon, c'est la première fois que j'utilise l'avion les gars. Ok du coup les gars, on se dirige directement vers Loot Lake. Loot Lake les gars, c'est ma stratégie aussi. Parce que du coup vu que c'est en l'air, et bah je touche pas le sol. Mais pour l'instant je vais rester un petit peu sur l'avion parce que j'ai pas envie de mourir tout de suite. Et à tout moment les gars, je fais top 1 et c'est vraiment incroyable. Je vais essayer de quand même faire un max de kills parce que là on a 0 kills. Mais en même temps les mecs ils meurent trop vite. Mais s'il y a quelques petits bambis là qui traînent par là, il y a moyen que je prenne quelques kills. Les gars, heureusement que je fais ce défi sur la saison 7 hein. J'ai attendu la saison 7 exprès pour faire ce défi. Parce que si c'était en saison 6, j'aurais jamais pu faire le défi les gars, c'est impossible. Aïe, ça me tire dessus. Non, mon avion. Faut que je me pose, faut que je me pose. Ah, je me pose. Ok, nickel. Je me suis posé. Bon, en vrai, là, c'est pas le sol, les gars. Putain, y'a un mec. Non, lui, faut vraiment que je le tue, les gars. Y'a encore un autre mec en plein air. Quoi? Crac. Ok, les deux sont low. Y'en a un qui est vraiment ultra low. Ok, une cara, un pont. Aïe. Je faille. Oh les gars, faut pas que je meurs par lui, il est vraiment trop nul. J'ai eu des builds et j'ai eu un pompe, c'est carré. Ok, ils vont se fight. Oh les gars, c'est un peu la merde là. Bon les gars, top 15 déjà. Juste ici vers là, il y a des failles. Donc en vrai, si jamais je suis dans la derme, je peux utiliser les failles. Et en gros les gars, les failles, elles sont infinies. C'est-à-dire, je peux prendre une faille et retourner sur la faille. Elle sera encore là. Pas il est où? Ok, il est là. Oh, il a crash. Let's go. Let's go, j'ai tué le mec qu'il fallait tuer. Oh là là, il va me mettre trop bien. Ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'une AR. Voilà, on est trop bien les gars, c'est 100%. Top. En plus ils m'ont mis full mat. Oh là là, mon avion il m'attend. Là-bas il y a des failles. Faut que je rejoigne les failles avant que mon avion il meure. Sinon je vais être dans la merde. En tout cas les gars, si jamais vous aimez ce genre de vidéo. Oh là là, plus de carburant. J'ai plus de carburant, j'ai plus de carburant. Je faille. Qu'est-ce que j'ai fait les gars? J'ai paniqué. Oh. Ok du coup les gars, j'ai fait vraiment de la merde à la partie d'avant. Du coup je vais changer ma stratégie. Je prends plus d'avion, c'est mort. Ma nouvelle stratégie les gars, je vous l'explique. C'est super simple, je vais spawn quelque part. Je sais pas encore où, je vais pas toucher le sol. Vas-y, vous savez quoi, je vais spawn ici. C'est ma nouvelle stratégie et je vais rota avec les failles. Comme ça c'est sûr que je peux pas mourir avec les failles. Bam, je peux me prendre ça. Là en vrai, je suis pas sur le sol les gars, on est d'accord. Le sol c'est juste là, moi je suis sur ici. Oh là là, un grappin, un ballon, c'est parfait les gars. Je vais avoir un god stuff comme la game d'avant. Mais les gars, je vous explique, en fait je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je voulais activer la faille, elle s'est pas activée.
enfin elle s'est activée mais dans les airs, du coup ça me l'a pas pris. Et après j'ai voulu prendre mon ballon et il a pas eu le temps de se mettre, du coup je suis mort. Du coup j'ai quand même un petit peu le seum, mais c'est pas grave les gars, parce que je vais pouvoir montrer ma deuxième stratégie. Du coup je viens de vous la dire les gars, on va essayer de faire ça tout de suite. Il va falloir que je farm, parce que si j'ai pas de bulles c'est un peu la merde. Et je vais essayer de faire un max de kills cette game. Ok, du coup les gars, je suis carrément en train de rotter en ballon. Je suis parti de là-bas. Je vais essayer de prendre ma petite faille qui est juste ici. Je vais la prendre et ensuite je vais pouvoir avancer jusqu'à une petite ville pour essayer de faire un kill. Je vais retourner à Loot Lake parce qu'en vrai c'est la ville que j'ai besoin de faire. Parce que vraiment Loot Lake les gars, c'est la ville où je peux me fight tranquille parce que je touche pas le sol vu que je suis un peu sur l'île quoi. Faut que je prenne la faille sans mourir, sans toucher le sol, attention. Let's go. En plus on peut les prendre tout le bord de la map. Mais je vais me prendre un avion en vrai. Paniqué, je pensais que je pouvais sauter de l'avion ou je sais pas, genre j'allais pas mourir. Hey, ça me tire dessus. J'ai repéré un lama les gars, il faut que j'aille sur le lama. Quand on sortait de l'avion avant on pouvait déployer notre planeur, maintenant on peut plus, c'est pour ça que je suis mort les gars, j'ai paniqué. Ok maintenant les gars, opération, aller au lama. En plus j'ai récupéré 2 grappins, 5 ballons, donc je suis bien en vrai. Oh j'ai encore des ballons, nickel. Le lama il est juste là-bas, nickel, je vais spawn sur la maison, comme ça je touche pas le sol. En tout cas les gars, si jamais vous aimez ce genre de vidéo, les petits concepts comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me soutient. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez d'autres concepts comme ça, ça fait plaisir. Je vais aller au lama en bulle dedans. Là-bas il y a un mec qui fait des triple edit, frère, je sais pas il fait quoi, il tryhard alors qu'on aurait même. Ok nickel. Miam 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 miam. Je prends tout. Une faille, nickel. Et des répus. Est-ce que je prends les répus ou pas? Deux, non ça sert à rien. Ok. Bon j'ai pris full mat. Il y a un mec qui a faille. Lui je vais le fight. Vas-y viens. Ah ouais il vient direct à lui. Il a fin de kill. Oh non les gars, on est face à un trader. Lance grenade puante frère. C'est quoi ce mec? Ah mais frère, s'il me casse je vais toucher le sol, je vais mourir. Tiens. Ok, j'ai pas touché le sol. Aidez-le. Il a même plus de reel. Ouais, mais lui il descend en bas, moi j'ai pas le droit. 31 blanc. 37 blanc, il a plus de bulles. Let's go! Oh, il tryhardait lui, les gars. Oh là là, heureusement que je l'ai tué. Vas-y, donne-moi ton stuff. Bon, les gars, finalement, j'ai pris le lama, mais il servait à rien le lama parce qu'il m'a tout cramé mes maths. Bon, nickel. Au moins, j'ai eu un kill, les gars. Au moins, je vais pas faire une game avec 0 kill, c'est parfait. Maintenant, il faut que je rota sans toucher le sol. Et là, ça va être chaud parce que il me reste qu'une seule faille. J'ai plus d'avion et j'ai que 10 ballons et un grappin. Donc, en vrai, ça va, je suis assez bien. Juste si j'utilise ma faille, quoi, je suis un peu dans la merde. Oh là là, merci pour la vie. Cette game, les gars, je vous dis, c'est top. Hein. J'ai appris de mes erreurs de la game d'avant. Je prends plus d'avion. En plus les gars, Loot Lake c'est encore en zone. Il y a toutes les failles sur le bord de la map ici. Là vraiment les gars, j'ai tout pour gagner. La stratégie est en train de fonctionner les gars. J'arrive vers Loot Lake. Je vais tamponner un petit peu à Loot Lake. Oh, il me reste qu'un ballon. En vrai les gars, je suis un bonhomme, je vais le jouer. Regardez, je vais essayer d'atterrir sur la maison. Comme ça je touche pas le sol. Ok nickel, et après je peux le fight. Ok, là j'ai pas touché le sol, je vais bien solidifier. Coup de grappin. Je suis pas... Ok, moins 80. Moins 100, full box. Moins 30. Wouah gros, mon pompe il a deux temps. Je me prends la carabine, j'en ai besoin. Non, j'étais bloqué.